Donc là, je suis à la gare. J'attends mon RER pour aller à Décathlon. J'espère que je vais pas arriver en retard parce que j'ai eu un petit souci de carte à Lego. J'ai vraiment pas envie d'être en retard. J'aime vraiment travailler là-bas. J'aime vraiment les gens. En plus, ce soir, on fait un escape game. J'ai trop hâte. Je suis arrivée et je vais aller surprendre tout le monde dans les rayons. Je suis trop contente de travailler ici. Salut les blogos. Casse la démarche, Maxence. Marchez bien. Ça va nous. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas qui c'est, elle se croit là. Ouais, je me casse. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te va bien? Je me casse au Mexique. Go voir, je sais pas comment il s'appelle. Ernest. Quel bonheur, bonjour, c'est Nicolas. T'es content? Allez. Elle est bien là-bas. Je travaille à Decathlon. Tu travailles pas? Si, je travaille là. Ah oui? Tu me vois ça? Non, pardon, regarde la côte de l'homme, la vie de ma mère. 2,30. Oh, je suis millionnaire. C'est quoi, t'as gagné beaucoup d'argent? Ouais, 430 hier. Je sais plus 430 euros. Ah, j'ai mis mes sentiments de côté pour l'argent. Je suis pour l'OM, c'est vrai, mais hier, fallait mettre pareil. Je suis millionnaire, c'est pas dur. En fait, là, je ne travaille pas, je suis millionnaire. Tu veux m'aider à monter ma valise? Tu veux monter ma valise en haut? Mais oui, Lou. Du coup, j'ai mis un. Attends, juste prendre mon gilet, j'arrive. D'accord. Je vais faire embrouiller, j'arrive. J'attends, mais tu commences à quelle heure? Bah, je commence à 8h. Il y a une qui est là, non? Je sais pas. Il a fini la recette? Non. Mais va t'habiller. On apporte ma valise, je suis heureuse. Je me sens importante. Je pense, ouais. Oh merde. On est fou. Attention. Personne va me la piquer ici. Non, car je vais mettre la poupée magique des fois. Allez, donc en sécurité. Oh, c'est gentil ça. Non, il faudrait deux tables du coup. Là, on va travailler nous, notre table. Merci. Salut les blogos. Salut l'internet. Ah, ça non, c'est Nicolas. L'exploration que tu es a toujours adoré l'Égypte. C'est là que ton arrière-grand-père, Howard Carter, a découvert les restes de l'ancien pharaon Toutankhamon. Ça, c'est ce que Catherine vient de vous lire. Ça, c'est les 4 journaux, vous en avez besoin tout le temps, tout le long du truc, donc gardez-les bien. Donc je les donne au chef d'équipe. Ça. Ah, on a tout perdu. On est dans la merde. C'est pas trop prêt. C'est pas trop prêt. Je me sens grave à l'aise. La première énigme, elle est là-dedans. Vous allez devoir la reconstituer. Donc à mon top départ, vous prenez la table, vous courez vous mettre dans un endroit pour pas qu'il vous tombe. On court avec la table. Allez, fou. Elle a grave pris toute seule la table. Elle a pas fait de la journée normalement, ça. Bah, Yannick ouvre la porte en connectant une voix qui dévoilera le code de 4 chiffres. Et pourquoi tu as la musique? Ça me dérange pour me concentrer. Attendez, regardez, là j'ai les journaux. Moi je suis dans l'escape game. Ah, mais c'est un chemin, non? Mais c'est trop simple. Attends. Donc faut que ça suive. Ça va pas l'air si simple que ça. Genre là, lui il veut pas être là. Ça va pas là. Genre lui il irait là. Lui c'est bon là. Le soleil sur la tête. Le soleil sur la tête. Attends, c'est pas très éclairé. Lorsque tu décodes la carte d'un temps. Ok, super. Moi j'ai le vase de canopée qui contenait les poumons avec la forme d'un babouin. Un scarabée symbolisait la résurrection et était placé sur le sarcophage. Le scarabée il va là. C'est pas sûr que ce soit ça. Attends, mais refais bien. Attends, au pire, c'est pas grave si le chemin il mène nulle part, on s'en fout. Je pense que c'est pas exprès malheureusement. Ah oui, était très puissant. Bon, c'est sympa ça. Puissant. Pour vous dire, j'ai fait un escape game. Ça, ils ont trouvé. L'équipe de vacances est en tête. Chapeau. L'équipe de vacances prend la tête. Ah, c'est la pierre de Rosette. Exactement. Ok. Allez, c'est parti, vous pouvez y aller. Vous avez drôle. Toi, t'es en retard, toi. Ça c'est les lettres ABCDEFGH. Faut faire quoi? Comment ça c'est pas bon? Non, je veux la phrase complète. Oui, la mort abattra
de ses ailes, quiconque troublera le roi. Bien joué. Attends, 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 attends. Ouais, attends. Ah, ils sont pas encore là. Ah, c'est parti, hein. Attends, attends, attends. Parce qu'on est nuls, il faut le dire au micro. On a mis. Alors, le poids du cœur, il n'y a pas de sortie. Vous mettez tous en colonne ici. Dans chaque équipe, il y a une personne qui va guider et toutes les autres trois. Oh. Oh non. Bon, moi je suis déjà aveugle, moi j'avais juste mes lunettes. Le guide chez vous, c'est Flo. C'est moi. Guide. C'est quoi le truc? Ah, c'est Jade qui va guider. Donc, c'est quoi? C'est ceux qui ont perdu auront une minute de pénalité sur l'enquête du. Il n'y a que le guide qui peut parler. Pour changer le relais, il faut évidemment que la personne ait récupéré l'article et soit revenue. Et tout le monde, vous n'avez pas le droit de dépasser la ligne qui est ici. Il y en a un qui passe deux fois. Okay. Ah oui, bah après, on s'organise comme ça. Ah, oui. Vous faites que ce que vous voulez sur les relais. Attention, 3, 2, 1, go! Qui mène vers la sortie. Donc vous devez positionner les obélisques avec la pyramide. Mais du coup, on a un code ? Comme ça, un code. Il est où le code ? Il est où le code ? Mais quand c'est de quel côté tu dois lire le code ? Et alors ? Ah. 3, 2, 3. Oh non, 3, 2, 1. Oh oui. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3. Mais non, mais regarde, il y a plusieurs codes. Prenons là, celui qui est à l'extérieur. Et après, là, c'est le truc bizarre, c'est 2. Viens dans le champ. Voilà. C'est un prince de la vie. Merci. Félicitations, les gars. Merci. Je suis messieurs presse. En tout cas, Yannick nous a dit que Catherine, vous avez beaucoup plus aidé que... Wow. La phrase de perdant. Donc bon, appelons un chat un chat. Après, tu peux dire que les deux minutes qu'ils ont eues, c'est parce qu'ils étaient en plus. Un cerveau en plus. Un cerveau en plus. Plus la minute de retard qu'ils nous ont mis au jeu. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on boit un petit coup, qu'on mange un petit truc. Ouh, t'es mauvais. Yo. Vous savez ce qu'il a manqué chez nous? Un leader. Donc je les donne au chef d'équipe. Tu sais que c'était ton rôle normalement? Vous m'avez pas laissé parler les gars. Pour ça, j'en avais décidé. Parce qu'il y a eu des parasites. Il y a eu des parasites à plusieurs reprises. Tu me dirais pas qui? Derlo, on enregistrait son rire. Ah mais Lou, elle a même pas joué en fait. Elle a fait... C'est pas vrai. Attends, je vais enregistrer ton rire, c'est pour notre futur jeu à nous aussi. Mais non. Mais oui, t'as les audios de mardi. Ouais, ça casse. Non, mais t'es pas ta. Mais non, mais je te renverrai. J'ai le rire de Lou, c'est bon, c'est dans la boîte. C'est moi derrière tes SMS. Ça, c'est drôle, ça. T'as fait pas mal à la gorge. Non. En plus, c'est un bruit. Il y a que toi qui sais faire ça. C'est incroyable, parce qu'il y a que toi. Ça, c'est pas gentil. Excellent. C'est pas excellent. Ouais, parce qu'il y a que toi. Ça sera le top départ. Tu réveilles là. Tu veux des créneaux à cœur un peu lourd. J'en ai fait quelques-uns. Ouais. Quand tu parles au micro, ça va? T'as pas de... Ça va. Une fois, j'ai failli rire. Genre... Sortez du magasin. On a fini. Bonsoir Lou, comment vas-tu? Arrête, je
rigole pas comme ça, tu m'imites super mal. Ah, ça irrite. Ah, ça, moi, ça me fait super mal. L'Atlético, la Juve. De quoi? Les mecs qui ont mis 100 hier, ils ont gagné 850. Non, c'est fou. Mais c'est incroyable, la caméra, elles sont des deux côtés, genre. Oui. C'est fou. Tu veux essayer de filmer? Tu veux te sentir important? Tu veux sentir quelqu'un? Oula, doucement, ça coûte un smic. Et là, tu zoomes et tu dézooms. Ah, c'est toi? C'est moi. Ah, t'es trop moche dessus. Waouh. Coucou Nico. Coucou ma beauté. C'est incroyable. Ouais, regarde, c'est quand fou. T'as ce bouton là, oh. Tu peux l'enlever. Oh, c'est donc, trop. Donc là, oh, c'est trop Thomas. Oh, ça a de l'œil de Flo. Direct. Ouais. Sacrée qualité. Ah, c'est... ah, j'avoue, c'est abusé. Et Nico, du coup, ça coûte combien ça? Putain, hey, j'ai peur carrément. J'ai peur de le prendre là. Loulou, récupère, je suis en stress là. Je lâche. Oh, c'est fou. Saucisse. Dis donc. Il est trop mignon. Il est grave doux. Ouais, j'ai fait une misère. Vas-y, fais-nous ton kia. Ah non, c'est pas ça. Ah, mais c'est à la boxe aussi. Ah ouais? Ah ouais, mal. Parce que tu vas à l'encontre de la technique, le recul comme ça. Comment c'est passé? Il sent son gueule. Et déjà, le karaté c'est japonais, le godo c'est coréen. Donc là, c'est pour commencer. Ah ouais, en fait, c'est le kimono de karaté. Karaté JR simple. Lou, tu nous mets la pression avec ta gueule. 2024, ils ont pas été retenus. Non. Il y a le skate au JO cette année, ça va être incroyable. Ah ouais? J'avais filmé la conversation. Elle me fait chaud quand elle rigole. Sacré loup. Sponsorisé quand même. Ouais. Qui les a